Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une prochaine vidéo pour le mois de novembre 2020. Il me reste deux signes, on va voir quel signe va être effectué. Et ce sera les Gémeaux. Coucou mes petits Gémeaux, j'espère que tout va bien pour vous avec ce temps qui est un peu bizarre. Je voulais vous livrer quelques infos, donc n'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent à participer au concours que j'ai organisé via une vidéo sur YouTube qui se terminera fin novembre pour gagner un tirage personnalisé gratuitement. Donc allez voir sur ma chaîne, vous trouverez concours pour les plus de 30 000 abonnés et puis vous pourrez du coup commenter, partager, etc. Tout sera expliqué dans cette vidéo pour pouvoir y participer. Si vous le souhaitez aussi, j'ai rajouté une page sur mon site internet pour des chèques cadeaux. Donc si vous voulez offrir une guidance à quelqu'un, à un ami, à un collègue, quelqu'un de la famille, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet et vous trouverez aussi toutes les infos si vous souhaitez un tirage personnalisé pour vous-même. Donc allez, c'est parti mes petits Gémeaux, on va commencer par un tirage général. Donc les premières idées qui vous viennent, c'est toujours la première idée qui est la bonne parce que sinon vous partez dans le mental. Ok? Ensuite, on ira faire un tirage professionnel et ensuite sentimental. On ira voir pour les groupes, donc pour tous ceux qui sont célibataires, en triangulaire, en plein divorce, enfin, etc. Et ensuite, en relation de couple. Et ensuite, on ira faire le bol tibétain pour un petit nettoyage et une purification. Ok? Allez mes Gémeaux, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Ascendant, signe lunaire, signe solaire pour le mois de novembre 2020. Montre-moi mon ange. Merci, merci, merci. J'ai envie de rire, je sais pas pourquoi. Il y en a peut-être qui rigolent là devant. Bah, c'est bien de rire. 15 minutes par jour. Ça rallonge la vie. Ok, allez, on y va. Tirage général pour tous les Gémeaux. Pour novembre 2020, qu'est-ce qui va se passer pour eux dans leur futur, mon ange? Montre-moi. Oh, bah c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on me montre de l'abondance, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Il y a vraiment ici, pour vous, mes Gémeaux, une bonne énergie, hein. On parle vraiment de protection. C'est plutôt pas mal. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, on me montre ici que bah là, en période d'hiver, il y a beaucoup de protection autour de vous. Il y a même quelqu'un qui doit vous protéger dans l'au-delà, une personne que vous avez sans doute perdue dans votre entourage. En tout cas, on me dit que l'univers est de votre côté, mes Gémeaux. Vraiment, on me montre ici une grosse protection. Peu importe ce qui se passe dans votre vie en ce moment, on me montre ici une protection. Vous allez retrouver joie, bonheur, succès, enfin de la chaleur. Les rayons de soleil. Enfin bref, ici, c'est vraiment positif pour vous. D'accord? On me dit que vous allez utiliser l'expérience acquise dans votre passé pour votre présent et votre futur. Il va falloir juste être patient ou patiente. D'accord? Pour vous éloigner un petit peu de cette stagnation que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. D'accord? Pour certaines personnes. On me parle ici aussi que vous allez utilisez votre expérience dans les 3 mois qui suivent pour justement sortir de cette stagnation et retrouver l'équilibre. On me dit ici que vous pensez à quelque chose. Il y a des choses dans votre tête qui sont en train de bouger, tourner. Vous réfléchissez énormément à tout ce qui peut être en lien avec les contrats, signatures et engagements. En tout cas, on me montre ici qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Mes Gémeaux, il y a une nouvelle porte. Donc, ça peut être une nouvelle porte d'un appartement, d'une maison. En tout cas, on me dit ici que vous avez dans l'idée de pouvoir vous engager, signer des contrats, en lien soit avec une maison, un appartement. En tout cas, c'est ici. Là, c'est les énergies sont là. On me montre ici que vous, mes Gémeaux, vous êtes en train de vous rapprocher de vos convictions, d'accord? Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, des activités en lien avec des projets. Et on me dit que pour ça, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Donc là, ça peut être des énergies qui me montrent que vous tournez le dos à quelque chose au niveau professionnel, d'accord? Pour vous rapprocher de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez, de vos convictions. D'accord? On me montre ici que sans doute pour certaines personnes, il y aura des projets, des travaux, des idées en lien avec un homme. Donc si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Donc il y aura ici des énergies un petit peu de
d'activités, de projets dans l'air. En tout cas, on me montre ici que vous vous rapprochez de vos convictions au niveau de ce que vous souhaitez. Ok? Qu'est-ce qu'on me montre d'autre? On me dit ici que cet hiver, donc là on est en plein dedans, on est en automne, mais c'est les énergies qui arrivent aujourd'hui jusqu'à cet hiver. Vous vous rapprochez de vos convictions au niveau de tout ce qui est contrat, signature et engagement. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, mais il faudra juste être patient ou patiente. D'accord? Ne réfléchissez pas trop. Vous en avez des idées, hein, mais restez focus vraiment sur vos ressentis, vos intuitions et non sur le mental, parce que le mental peut vous faire un petit peu faire marche arrière. Donc n'ayez pas peur. En tout cas, on me montre bien ici des projets qui arrivent à vous. Hein. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, on me dit bien que vous allez dépasser cette stagnation pour retrouver l'équilibre et qu'il y a vraiment de nouvelles portes qui s'offrent à vous en tournant le dos à ce qui ne vous convient plus. D'accord? Ici, en globalité, on me montre quand même l'abondance, donc c'est plutôt pas mal pour vous, en lien avec tout ce qui est signature, engagement et contrat. Donc c'est plutôt pas mal. Bah, je suis contente pour vous, mes petits Gémeaux. C'est top. Allez, on va aller se centrer maintenant sur le côté professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits Gémeaux, pour le mois de novembre 2020 sur votre futur professionnel? Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Évolution professionnelle pour tous les Gémeaux. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Vous êtes stressé, hein, au niveau professionnel. Alors, on me parle ici qu'il y a quelque chose qui peut vous mettre dans une certaine dépendance ou des peurs. Là, en l'occurrence, on me montre ici que c'est en lien avec la santé émotionnelle, physique. Enfin, du coup, vous avez peur et vous vous méfiez de tout ça. D'accord? Là, on me montre ici qu'il sera sans doute question pour certaines personnes de dépendance en lien avec une peur qui peut vous bloquer au niveau professionnel. Là, en l'occurrence, ça peut être aussi en lien avec la famille. Du coup, peut-être quelque chose qui bloque professionnellement en lien avec ça. D'accord? On me montre ici qu'effectivement, il y a certains blocages, mais vous allez dépasser ça. Parce que ici, j'ai quand même la joie, le bonheur, le succès et la protection. Vous dépassez ces blocages. Donc, c'est plutôt positif. Donc, gardez confiance en vos projets, en ce que vous souhaitez. Peu importe les blocages, vous les dépassez. Quand même, cette carte est à l'envers. Donc, si elle aurait été comme ça aurait été un peu plus compliqué. À l'envers, elle montre bien que vous les dépassez. D'accord? Là, on me dit encore une fois au niveau professionnel. Patience cet hiver, vous allez dépasser cette stagnation, ce qui bloque, ce qui vous empêche d'avancer vers là où vous souhaitez aller. D'accord? On me montre bien ici que votre expérience va être plutôt prometteuse parce que vous allez l'utiliser pour votre présent et votre futur pour pouvoir vous engager, signer des contrats et des signatures, faire des partenariats, des associations. En tout cas, l'idée est là. D'accord? Peu importe ce qui se passe au niveau professionnel, que vous soyez au chômage, que vous soyez salarié, que vous ayez votre société, que vous avez des idées au niveau professionnel, que vous soyez à la retraite, etc. On me montre ici que vous vous rapprochez de vos convictions au niveau professionnel. D'accord? Vous vous rapprochez de vos idées, de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez envie. Et ça amènera des contrats et des signatures. Donc n'ayez pas peur et foncez. Ok? On me montre ici que effectivement il y a une dépendance qui vous bloque assez importante. Là, on me montre ici que c'est en lien avec soit des médicaments pour certaines personnes, soit en lien avec une peur, peut-être en lien avec la santé. Pour d'autres, ça peut être en lien avec quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'aller là où vous devez aller. Donc peut-être une attente dans une situation en particulier pour pouvoir avancer. Et pour moi, du coup, en hiver, les choses bougent pour vous parce que vous allez utiliser l'expérience acquise dans votre passé pour votre présent et votre futur. On me dit que vous allez retrouver une santé intérieure émotionnelle plus importante et plus dans des énergies positives au niveau professionnel, activité, projet. Pourquoi? Parce que ici, j'ai quand même la joie, le bonheur et le succès qui arrivent à vous, que ce soit en lien avec la famille, que ce soit en lien avec votre santé à vous. Là, on me dit bien que vous retrouvez de bonnes énergies, d'accord? Vous retrouvez l'équilibre pour pouvoir signer
et vous rapprocher de vos contrats, de vos signatures, de ce que vous souhaitez en lien avec ça. D'accord? De l'engagement. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous, mes Gémeaux, par rapport aux professionnels. Juste soyez patient. D'accord? On me dit que effectivement vous vous méfiez parce que peut-être que vous avez peur. Méfiez-vous de certaines personnes autour de vous qui peut être assez rusé, calculateur. Mais on me dit patience. D'accord? Il y aura sans doute quelques électricités dans l'air, un peu de stress, d'angoisse par rapport aux professionnels. Mais vous allez trouver des solutions, peu importe ce qui se passe. Écoutez vos ressentis et vos intuitions parce que vous êtes en train de vous éveiller pour certaines personnes. Il y a une surprise qui arrive à vous en lien avec le professionnel. On me dit que l'univers est en train de vous préparer quelque chose derrière votre dos. Quand vous serez prêt, il vous le mettra sur votre route, sur votre chemin. D'accord? Là, on me dit ici qu'il y a de la nouveauté. Il y a un nouveau projet qui arrive à vous, mais c'est pas encore dit, c'est encore caché. Peut-être que vous avez des idées, mais vous n'en parlez pas encore pour vous préserver. En tout cas, c'est en route, c'est en chemin et ça vous apportera de l'abondance. Ok? On va tirer d'autres cartes en lien avec le professionnel. Évolution professionnelle. Pour tous mes Gémeaux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer pour eux professionnellement dans leur futur moment? Montre-moi. On me dit vous avez pris du retard professionnellement. Peut-être que vous avez été dans une stagnation, dans une routine assez longtemps et qu'aujourd'hui vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Vous avez eu des déclics et du coup pour pouvoir aller vers autre chose ou avancer au niveau professionnel. On me dit que vous savez ce qui est bon pour vous et que ce que vous allez faire permettra d'aider beaucoup de personnes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ne vous précipitez pas, mes Gémeaux. Parce qu'il y a l'ego qui ressort et la précipitation. Ne vous précipitez pas parce que l'ego ressort. Donc ça veut dire qu'il y a des peurs. L'ego, c'est la peur, c'est l'orgueil, c'est les doutes, les questionnements. Surtout, ne vous précipitez pas. Surtout en décembre ou dans les 4 mois qui suivent. En lien avec tout ce qui est formation, apprentissage. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas, c'est important. D'accord? En tout cas, il y aura ici des démarches écrites pour certaines personnes. Vous allez dépasser tout défi, tout obstacle qui arrive dans votre chemin. Et on me dit que vous allez arrêter de rêver. Et que vous allez plutôt passer à l'action. Vous allez communiquer. Et pour certaines personnes, on me parle ici de changement de voie qui vous permettra de guérir déjà intérieurement, mais aussi qui permettra de guérir les autres. Donc je ne sais pas, c'est comme si pour certaines personnes, ce que vous allez faire, la nouvelle voie que vous allez entreprendre ou la nouvelle direction permettra de vous guérir vous, mais aussi certaines personnes. On parle de commerce. Donc peut-être qu'il y aura un commerce dans un business en particulier pour certaines personnes. En tout cas, ici, il y aura des promotions. C'est quelque chose qui vous mettra bien dans votre vie. D'accord? On parle de guérisseur aussi. D'accord? De tout ce qui est en lien avec le magnétisme, les mains, la créativité. Reiki, tout ce qui est sophrologie, enfin tout ce qui est en lien avec la spiritualité aussi, d'accord? On me dit qu'il y a beaucoup de choses positives en lien avec ça. Un message important. Celle-ci, je le ferai après. Là, on va faire le sentimental, ok? Évolution sentimentale pour tous les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Que va-t-il se passer pour les Gémeaux dans leur futur au niveau sentimental? Mon ange, montre-moi qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux. Ouf. Alors, on me montre ici mes Gémeaux, méfiance hein, par rapport à une personne au niveau sentimental, amoureux, relationnel. Bon, là, pour moi, il y a une personne rusée, calculateur qui tourne autour de vous. D'accord? Mais on me dit que vous êtes protégé par rapport à ce genre de personne. Soyez juste patient. D'accord? Ici, on me montre bien que vous vous éloignez de ce genre de personne. Vous êtes un peu dans la méfiance au niveau sentimental. Donc voilà, juste soyez patient. Bon, c'est vrai que les Gémeaux, en ce moment, on nous dit beaucoup, pour vous, patience. Mais bon, peut-être qu'il y a des choses à régler, à rétablir. Là, on me montre bien qu'au niveau sentimental, vous réglez des choses en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement. D'accord? C'est quelque chose qui va.
vous permettre de retrouver une sérénité intérieure, un bien-être, un succès, de la joie, du bonheur. Enfin vraiment, c'est de bonnes énergies. C'est quelque chose qui va vous faire du bien au niveau aussi émotionnel. Vous allez vous sentir mieux. D'accord? On me parle ici qu'il y a quelque chose en lien avec la dépendance, en lien avec le premier tirage que je vous ai fait, qui va vous amener quelques stress, angoisses, schémas répétitifs, surmenage, des choses qui vont tourner en rond. Il y aura des contacts téléphoniques importants par rapport à ce qui ne va pas, à ce qui vous stresse, à ce qui vous angoisse. D'accord? Mais il y a quelqu'un qui vous tend la main. Il y a une personne ici qui vous aide, qui vous tend la main, qui vous apporte du positif, des énergies assez bonnes. Donc vraiment, ayez confiance par rapport à tout ce qui peut être sentimental. On me dit que si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. On me dit ici que il y a de la lumière qui arrive à vous hein, à travers une personne qui peut avoir du caractère. Alors, je dis pas caractère genre, elle a une grosse gueule, entre parenthèses, ou il, mais c'est plutôt une personne qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans sa vie, qui est assez prestant, qui n'a pas peur. On parle d'une personne ici qui peut être assez dépendant ou dépendante. On me montre ici vraiment qu'il y a du positif par rapport à une personne au niveau sentimental. D'accord? On me dit, encore méfiance à travers des... Il y a des choses à régler hein, par rapport à tout ce qui peut être signature, contrat, engagement. Il y a quelque chose qui vous bloque encore. D'accord? Mais quelqu'un vous aide et vous tend la main par rapport à ça. Vous êtes protégé, il y a la joie qui arrive pour vous. Et vous allez dépasser tout ce qui est en lien avec ce stress et ces angoisses parce qu'il y a de la lumière et du positif qui arrive à vous en lien avec une personne. On me dit ici, patience. À travers tout ce qui peut être famille, à travers tout ce qui peut être santé. On me dit ici que vous aurez des contacts téléphoniques en lien avec un homme. On me dit juste patience parce qu'il y a quand même de l'abondance qui arrive à vous par rapport à ça. D'accord ? On me montre ici qu'il y a des choses qui vont se régler en lien avec tout ce qui est financier matériel. On me dit que par rapport à tout ce qui a été financier matériel, vous avez été triste, pas bien. Et on me dit qu'aujourd'hui, vous vous éloignez de tout ça. Vous prenez de la distance, de l'éloignement. Il y a peut-être ici des déplacements, le fait de se déplacer, de s'éloigner. D'accord ? On me parle ici que vous allez sans doute ressentir un manque. Peut-être qu'il vous manque des billes, des informations. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez ressentir un manque tout simplement émotionnel. Mais vous allez retrouver du bien-être et de plaisir. D'accord ? Surtout pour les hommes. Après, si vous êtes une femme, on me dit que c'est en lien avec un homme. On me dit ici qu'il y a une mutation positive et bénéfique qui arrive à vous, sur quelque chose qui est non dit, sur quelque chose qui est caché. D'accord? Vous voyez ici, c'est comme si l'univers vous préparait quelque chose, mais c'est encore caché et non dit. On me montre ici que vous allez retrouver pour certaines personnes sérénité, tranquillité, en lien avec tout ce qui est maison, appartement, matériel. Ok? Et que ça va amener à vous de la nouveauté, de nouveaux projets, la naissance de quelque chose de nouveau, surtout en mars, avril, mai, et que les énergies sont déjà là pour octobre, novembre, décembre, donc de cette année. Donc, c'est des énergies qui vont avancer jusqu'à l'année prochaine. Ok, on va aller voir plus loin. En lien avec le sentimental, il y a mon oreille qui siffle, on me dit que vous devez écouter. Peut-être que vous vous écoutez pas assez, mes Gémeaux. Écoutez-vous. Il y a quelque chose ici que vous ressentez ou que vous n'entendez pas, ou que vous entendez mais que ça passe et que vous n'entendez plus. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Je vais prendre celle-ci. Évolution sentimentale pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement? Mon ange dans leur futur, entre moi. Waouh, ça saute en tout cas. Alors, attendez. Alors, on me montre ici que vous avez dépassé, ou en tout cas que vous êtes en train de dépasser des épreuves au niveau sentimental, que la foi relève les montagnes, peu importe ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, vous pouvez les dépasser, ces défis, ces obstacles, d'accord? On me montre ici des messages envoyés et reçus.
et que vous allez, pour vous, en tout cas vous, mes Gémeaux, vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus par rapport à tout ce qui était énergie négative, par rapport à tout ce qui a été difficulté. Je pense qu'il y a des nouvelles où une personne inattendue qui va venir à vous. Il y a mon ventre qui me gratte. En général, c'est qu'il y a de la visite qui arrive ou des nouvelles inattendues d'une personne. Alors, éloignez-vous en tout cas de toute personne fausse et qui peut paraître assez superficielle. Ici, on me montre ici une femme, en l'occurrence, qui peut avoir les cheveux clairs, donc blonde ou blond. On me dit que vous allez retrouver une sagesse et un bon raisonnement par rapport à tout ce qui peut être sentimental. On me parle ici que pour certaines personnes, il sera question ici d'amitié, de loyauté, de fidélité sincère, d'accord, avec une personne qui permettra d'aller vers la guérison. D'accord, on me dit ici que c'est en lien avec le karma, que c'est en lien avec tout ce qui peut être karmique. Et que si vous vous éloignez de toute rivalité, de toute personne qui essaye de vous bloquer, on me dit que ce sera un succès pour vous en lien avec le sentimental. On me montre ici le déménagement, d'accord? Donc il y a quelque chose qui montre que vous bougez, que vous déménagez. Il y a la clé ici, en tout cas, au niveau sentimental, qui arrive en lien avec une porte, une maison, un appartement et le cœur. Vous allez avoir ici le succès au niveau du cœur, donc du sentimental. On me parle ici que pour certaines personnes, il sera question de froideur en lien avec une femme, si vous êtes un homme, enfin après, peu importe dans la situation où vous êtes. En tout cas, pour moi, il sera question ici pour certaines personnes d'amour éphémère, d'amour passager. Et que vous allez vous diriger vers quelque chose d'autre. En tout cas, vous avez dans la tête des idées en lien avec quelqu'un. Avec qui il peut y avoir un attachement. Comment dire? Là, on montre ici un homme, d'accord? Qui peut avoir des sentiments ou un attachement ou quelque chose en particulier en lien avec une personne. Et on me dit que c'est comme si vous aviez quelque chose dans votre tête, dans votre cœur, mais vous disiez non. C'est comme si quelque chose vous bloquait. Vous direz non à tout ce qui peut être passager, non à tout ce qui peut être froideur au niveau sentimental. Et en faisant ça, on me dit ici qu'il y a de la chance qui arrive pour vous, pour certains Gémeaux, osez la prendre. C'est comme s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. On me parle de plaisir, de bien-être avec une certaine personne, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, mais c'est quelque chose qui pourrait vous apporter l'amour, le bonheur. D'accord? Juste ouvrez les yeux. C'est peut-être en lien avec soit une meilleure amie ou une personne proche. D'accord? Pour d'autres, il sera question de rencontres dans les 3 mois ici, que vous aurez des doutes et des questionnements, mais on me montre bien ici un coup de foudre, hein, mes Gémeaux. Peut-être avec une personne avec qui vous avez reçu des textos, des messages. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Je sais pas, je suis à combien? 23 minutes. 23 minutes. Peut-être que le chiffre 23 vous parle. Un message important pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Pour leur futur, que va-t-il se passer pour eux dans leur futur moment? Pour les aider à avancer, à être éclairés. Bon, on parle ici d'étrangers, de distance, d'éloignement, du fait peut-être de s'éloigner. Et que vous allez vous séparer de tout ce qui a été trahison, négativité, mal-être, couteau dans le dos, entre parenthèses, pour aller vers la nouveauté. Pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers une nouvelle direction qui apportera sans doute un nouveau foyer, de nouveaux projets. D'accord? On me dit, ne vous enfermez pas dans un moule. Ne restez pas enfermé dans un moule. Essayez de sortir vos idées, vos croyances qui ont été peut-être limitantes du passé. Pour pouvoir vous rapprocher de tout ce qui peut être en lien avec l'engagement, les contrats et les signatures. Parce que ça vous apportera déjà d'une sexualité, mais d'autre chose. On me montre ici le plaisir, le bien-être, une passion. Là, peut-être que cette situation pourrait vous apporter de la culpabilité, mais
ne vous enfermez pas dans ça, dans cette culpabilité que vous pourriez ressentir. Ici, on me montre peut-être des conflits, des désaccords avec certaines personnes. En l'occurrence, ici, on peut me montrer une tierce personne, donc la triangulaire aussi. Mais on me dit qu'il y aura pour certaines personnes des négociations, des compromis avec des amis, de l'amitié, des personnes proches, et que c'est en lien avec vos projections, vos envies et vos idées. On me parle ici encore une fois de la clé d'une nouvelle porte, de la clé du destin, de la clé d'une nouvelle route qui s'offre à vous, mes Gémeaux. Et on me dit que vous le savez. Bon, après, on me parle ici d'une ouverture en lien avec tout ce qui peut être clairvoyance. Bon, là, on me montre ici une personne qui voit les choses. Mais on me montre ici que peut-être que vous ressentez, que vous savez au fond de vous, quelle est cette nouvelle porte. Là, c'est en lien avec tout ce qui peut être famille, tout ce qui peut être le fait d'avoir planté des petites graines petit à petit, qu'aujourd'hui, elles vont germer. Là, on me montre bien ici que ça grandit, ça évolue et que vous écrivez une nouvelle page. Là, on me dit bien ici que si vous êtes un homme, vous voyez, on me montre ici un homme en lien avec tout ce qui est loi, notaire, avocat, loi, justice, enfin, etc. Qu'il y a ici un cadeau du ciel qui arrive à vous pour certaines personnes en lien avec une femme. D'accord? Ouvrez juste les yeux pour certaines personnes. Accueillez ce qui peut arriver à vous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de chance. Peut-être que, voilà, pour certains Gémeaux, peut-être que vous n'ouvrez pas les yeux sur quelque chose. Bon, là, en l'occurrence, on me dit de les ouvrir. Hein. Vous me direz si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à liker. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, justement, à m'envoyer un petit mail, puis je vous enverrai toutes les infos nécessaires. Tout se trouve juste sous cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux sentimentalement dans leur futur? Moi, on me dit ici qu'il y a des énergies déjà de séparation, des choses à régler en lien avec tout ce qui est séparation. Laissez-vous aimer. Parce que peut-être que maintenant, vous avez... comment dire? Peur. Peur, vous êtes méfiant ou méfiante, vous avez peur qu'on vous approche ou de vous rapprocher de certaines personnes. Là, on me dit, vous pouvez vous laisser aider par des amis. Peut-être que pour certaines personnes, les amis, pour vous, peut être un âme sœur. Et puis peut-être que vous en rendez pas compte. Ici, j'ai laissé vos amis vous aider, âme sœur, et c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir une chimie. Franchement, quelque chose d'assez important, une énergie assez importante. On me dit ici qu'il y aura sans doute des conversations cœur à cœur pour démarrer avec un flirt. D'accord? Mais on me dit garder l'esprit ouvert. Encore une fois, c'est ouvrir les yeux. Parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Mais il faut vous aimer d'abord. Aimez-vous, estimez-vous. Regardez-vous dans la glace et dites « je m'aime et je m'estime ». Tout simplement, n'ayez pas peur, ne vous sous-estimez pas. Les Gémeaux, c'est très important parce que peut-être que vous vous sous-estimez, que vous avez un manque de confiance en vous. Donc là, vraiment, c'est important. Et on me dit ici que par rapport au sentimental, on me dit « cela vaut la peine d'attendre ». D'accord? Bon, allez, on va passer avec les groupes parce que après, sinon... J'ai pas fini. Alors, pour toutes les personnes qui sont en plein divorce, en pleine séparation, posez votre question, on va y répondre. On me dit ici que vous êtes en train de vous rétablir, de régler et de vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. On me dit qu'il y aura des occasions favorables pour vous, mais cela dépendra seulement de vous. La situation, en tout cas, s'améliorera par rapport à votre question. Pour toutes les personnes en relation de couple marié ou paxé, posez votre question, on va y répondre. Affirmez-vous, mes Gémeaux, c'est important, par rapport à votre question. On me dit que ce sera seulement quand vous serez prêt, parce que si vous n'êtes pas prêt, on me dit peu probable. Il y a des négociations et des compromis à faire dans l'année, mais restez positif et ce sera un oui, d'accord? C'est peut-être pas le bon moment pour certaines personnes. Pour toutes les personnes en relation de couple, non mariées, non paxées,
posez votre question, on va y répondre. Oups, désolée. On me dit, si vous y croyez, il y a quelque chose de mieux qui arrivera pour vous. Et nul besoin de vous inquiéter. Si vous inquiétez, on me dit non. Si vous y croyez pas, on me dit non. Donc voilà. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, posez votre question, on va y répondre. Répondre à la question des Gémeaux mon ange. Pour les célibataires. On me dit, pour le moment, c'est pas le bon moment, tout simplement, par rapport à votre question. On me dit non parce que ici, vous devez vous affirmer, dire, parler et avoir confiance dans ce qui pourrait se passer par rapport à votre question. Là, on me dit ici que pour l'instant, vous avez besoin de régler, rétablir certaines choses et il y a quelque chose à améliorer dans l'état de santé. Donc là, on me parle d'amélioration de l'état de santé, en tout cas, d'accord ? Donc c'est déjà plutôt pas mal. N'arrêtez pas d'y croire parce que si vous y croyez pas... Vous irez dans des énergies négatives et là on me dit que vous devez agir. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question, on va y répondre. Bah, ce sera un succès pour vous par rapport à votre question, les triangulaires. Il y a quelque chose qui se règle, qui se rétablit. D'accord, on parle d'amélioration de l'état de santé. Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, posez votre question, on va y répondre. On me dit, vous êtes prêt et que vous allez vous rapprocher de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez, d'un amour romantique, d'une personne peut-être que vous souhaitez ou que vous aimez. En tout cas, il y aura des occasions favorables pour vous. Il faut vraiment que vous soyez prêt par contre. En ce moment, c'est peut-être pas le bon moment. Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel, posez votre question, on va y répondre. Ça dépendra seulement de vous. Il y a quelque chose que vous devez faire, agir. Il faut demander de l'aide. Communiquez clairement et la situation va s'améliorer. Vous aurez des signes importants à travers votre par rapport à votre question. Ok ? Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, posez votre question, on va y répondre. On me dit qu'il y a de grands changements positifs par rapport à votre question. Méditez et ce sera un succès pour vous par rapport à votre question. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui ne le sont pas encore, qui le souhaitent, posez votre question, on va y répondre. Rétablissement pour vous, des choses qui se rétablissent par rapport à votre question, dans un avenir rapproché, mais obtenez plus d'informations, mes petits anges. D'accord ? Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, posez votre question, on va y répondre. N'arrêtez pas d'y croire. La situation va s'améliorer. Vous aurez des signes, des messages pour vous rapprocher de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez, d'un amour romantique, d'une personne peut-être que vous souhaitez. Ou de quelque chose que vous voulez. Pour toutes les personnes qui sont au chômage ou qui ne souhaitent l'être, posez votre question, on va y répondre. On me dit ici demander de l'aide aux autres. Libérer quelque chose en lien avec le pardon, surtout dans les prochains mois. Et on me montre bien ici qu'il va y avoir des relations qui vont vous être profitables pour aller vers une nouvelle direction. Donc gardez confiance. D'accord ? On me dit que vous êtes prêt. Mais gardez confiance et lâchez prise. D'accord ? Sinon, ça va être un peu plus compliqué. Allez, maintenant, on va aller faire le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Donc, vous allez fermer les yeux. Inspirez le positif. Expirez le négatif. Et posez votre conscience sur votre respiration. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, emprise, dépression, mal-être, tristesse.
burn-out, entité, magie noire, maléfice. De tout ce qui a été fait comme rituel contre vous, de néfaste et négatif, que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astro et physique. Débloquez tous leurs chakras maintenant et tout de suite. Rééquilibrez tout ça maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leurs vibrations au maximum du positif. Maintenant et tout de suite, remplissez-les d'énergie positive, de lumière, de vitalité, de bien-être, de sérénité, tranquillité et de paix intérieure. Permettez à toutes ces personnes de pouvoir faire les bons choix et d'aller vers le bon chemin qui sera le meilleur et positif pour eux, maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis peut-être à la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.